Et alors, The Best Madrid est très chuchoté, tout le monde en parle. C'est vrai que c'était à chaque fois les plus belles impressions dans les courses préparatoires. On l'a vu notamment la dernière fois terminer très plaisamment. Est-ce que The Best Madrid, demain, a une chance de s'imposer? En tout cas, on l'a vu, il a fait l'arrivée l'année dernière, il a fait l'arrivée il y a 2 ans. C'est un authentique champion qui a sa chance comme tout le monde. Et voilà, vous avez résumé comme tout le monde. Il y a 2-3 chevaux qui sont au-dessus de la mêlée, mais lui, il a la chance comme tous les autres derrière. Et puis vous l'avez déjà gagné cette épreuve avec Cocktail Jet, vous avez déjà l'expérience, vous êtes gonflé à bloc pour demain. On va faire au mieux surtout. C'est noté. Jean-Étienne Dubois qui remporte cette épreuve. Procure d'Avella, elle confirme. Ah bah oui, hein, c'était un peu son prix d'Amérique pour cette jument-là, elle avait sauté les gains pour Lane Johnson. On n'avait pas un bon numéro, on est tombé derrière Eric qui n'a pas trop démarré, on s'est trouvé dernier. Mais bon, c'est un mal pour un bien, je pense, parce que les deux derniers sont les deux premiers à l'arrivée. Elle progresse à chacune de ses sorties, t'as cette impression également? Ah ouais, là aujourd'hui j'ai trouvé vraiment très souple et je pense qu'elle a monté un palier quand même, cette petite jument-là. C'était une jument très maniable, brave. Mais là, elle a pris le petit quelque chose qui peut l'emmener un peu plus loin, quoi. Sur une pointe, elle est marrante. Ah ouais, super, elle se donne à fond. Jean-Paul, Talicia, elle fait une bonne valeur, c'est dommage, ça s'est mal passé. C'est vrai, en montant, bon, bah, je pensais que c'était le bon wagon. Une fille d'amour, c'est une jument qui va bien en tête. Et puis là, bah, elle a cédé gentiment en haut de la montée. Bon, elle nous a emmené dans notre perte un petit peu. Bon, la jument, elle court bien, on ne peut pas lui reprocher quoi que ce soit. Mais bon, elle s'est retrouvée un petit peu trop vite derrière une jument qui a faibli. Bon, c'est comme ça, c'est les courses. Hein. Mais la jument, par elle-même, elle fait une superbe course. Alors, descendez de catégorie, c'est sa catégorie, elle est juste en dessous des bons. Ouais, mais je pensais qu'avant, elle n'avait pas trop travaillé. Donc, j'avais mal travaillé mes épreuves avant. Alors, donc, après Cannes, j'avais laissé un petit peu se refaire un peu la cerise. Et puis, ça n'a pas été concluant. Mais je pense que c'est mieux. Là, elle revient à sa vraie valeur aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, elle fait une sacrée perf, quand même. Est-ce qu'il y a beaucoup d'écart entre elle et Triode? Pas tant que ça. Je vous dis, il n'y a pas 25 mètres d'écart entre les deux. Alors, donc, ça prouve qu'à ce niveau-là, il peut y avoir 2-3 à dominer le trou français. Mais il n'y en a pas 50. Et il n'y a pas beaucoup d'écart avec des chevaux de deuxième plan et les premiers plans.